Salut tout le monde, c'est l'Alchimiste, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Danmachi Battle Chronicle où nous allons voir les tout nouveaux persos de l'event actuellement en cours qui vient juste d'arriver. Cette fois, nous avons 3 persos sur 3 bannières différentes. 3 persos à 3 attributs différents. Alors, nous avons Anya, nous avons avec sa carte, Sen, évidemment. Hein. Nous avons aussi Chloé, hein, attribut bleu. Toujours avec la même carte Sen. Et en troisième, nous avons Lunor, encore avec la même carte Sen. Voilà. Pas de perso assist. Voilà, 3 persos, 3 persos d'aventure. Donc, bon, écoutez, on risque de pas trop être déçu. Étant donné qu'en plus, il n'y a qu'une seule Sen card. Moi qui ai l'habitude des scènes cartes, si je tombe dessus, bon bah je tomberai dessus, elle sera montée à fond. Hein. Je ne sais pas quel perso choisir entre les trois. Hein. Alors je me suis dit, je vais en faire une, celle qui me plaît le plus. Et si j'ai loot tout de suite, tant mieux, je vais pouvoir profiter pour essayer de choper les autres. Celle qui m'intéresse le plus, je les ai testées. Vraiment des combats rapprochés, très très proches au corps à corps. Anya avec sa lance est pas mal, et elle m'intéresserait pas mal étant donné attribut rouge. Bon, ça me fera un troisième perso attribut rouge pour une team, ce serait bien. Donc, je me lance sur Anya. Voilà, objectif Anya. Après, je me mettrai sur Chloé si je l'ai assez rapidement. Et je finirai par Lunor qui m'intéresse encore un peu moins, quoi. Mais bon, on peut le tester gratuitement, hein, y a pas de souci. Et vous comprendrez que vraiment, que ce sont des persos de combat très rapprochés. Bon, le premier tirage a l'air d'être pourri, on va le passer vite fait. Quoique non. Surprise, Heinz. Ok, ok, je prends. C'est un perso que j'aime particulièrement. Ça va me la faire up, donc pas mal. Franchement, content. En plus, je m'attendais à rien avoir. Donc, quitte à avoir un UR, autant que ce soit elle. Aucun problème, je suis content. On va dire que si ça continue comme ça, c'est bien. Ah, UR garanti. C'est bien. Alors, plus j'ai rien vite fait, plus j'ai pouvoir enchaîner sur les autres bannières. Encore? C'est encore Ace? Eh ben, dis donc. Elle va vite revenir dans l'arène si j'ai continué à monter comme ça. Hein. J'ai regardé après combien d'étoiles allait. Je crois que j'ai déjà une étoile. Ah, la carte scène. La carte scène de l'event, évidemment. Vous ne pouvez pas y couper. Hein. Bon, alors, deux tirages. Deux très bons tirages. Autant continuer sur cette lancée, c'est bien. Animation pourrie, mais comme vous avez vu dès la première, on va pas... On va pas se démoraliser. On sait jamais. Ah bah non. Bah celle-là, elle était complètement foirée en fait. Bon allez, on est au troisième tirage. On enchaîne avec un quatrième. Ouais, encore une animation bien pourrie. Ouais, et bah apparemment non, tirage pourri aussi. Bon allez, alors 4 tirages, 2 bons, ensuite 2 pourris. On va enchaîner avec le cinquième. Et celui-là est bon. Allez Anya, si tu dois venir, c'est maintenant. Ça me ferait plaisir. D'accord. Non, je n'avais pas celle-là. Moi qui ai un abonné des cartes Sen, celle-là, je ne l'avais pas. Je me rappelle plus c'est qui. Ah d'accord.
Ouais, non, j'ai Gouza en assiste, hein, attention. Hein. Je parle pas de la magnifique Shikuza de le dernier event. Non, non, je vous parle de l'assiste bien pourri en premium. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, je fais une petite pause là quand même. On a 5 tirages. Hein. Ouais, je regarde en fait toutes les bannières donnent les mêmes médailles pour arriver à 80 pièces pour obtenir un ticket UR garanti. Je crois que je vais encore faire 3 tirages et prendre le ticket UR garanti si j'ai toujours pas Anya. Ouais, il est à 80. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir. Comment ça s'appelle, Chloé ou Lunar. Vu que je veux Anya en priorité. Je vais regarder aussi Ainz que j'ai chopé 2 fois. Elle a combien d'étoiles déjà? Elle est déjà à 1 étoile. Je vais vite fait la mettre à 3 étoiles. Voilà, ça va commencer à faire une sacrée Ainz. Je peux vous dire qu'en arène, je connais des cash players qui l'ont à 5 étoiles et montée à fond. Elle est extrêmement violente. Bon, allez, on est reparti pour les tirages. On va jusqu'à... On en fait encore 3, hein, si on ne l'a toujours pas. Animation pourrie. Allez, une surprise comme tout à l'heure. Surprise, surprise. Et bah non, que dalle. Allez, encore un. Et après encore un. Après, je crois que j'ai quelques tickets de bannière régulière aussi. Que je vais faire. Donc à faire. Ah, à chaque fois il y a des petites latences entre les persos quand je skip et j'ai l'impression qu'il y a un numéro qui tombe, mais non. Bon allez, dernier tirage et après ticket. Alors pour ce qui est des probabilités, déjà vous avez vu que j'ai eu 2 fois Ainz, c'est 0,005. Oh, une scène card que je n'avais pas. Alors que le perso que je veux, Anya, c'est du 0,7. Oh, une scène card que j'ai. Ben, mettez-moi dans une troisième histoire de bien m'énerver là. Déjà 2, c'est bien. Bon allez. On arrête là et on va prendre notre ticket. On y va, il est là. Bon, après avoir le ticket, c'est pas tout. Hein, je vais regarder les probabilités d'obtention de personnage aussi. Bon, ça va rien dire, on l'a vu parce que 0,7, je l'ai pas eu. Contrairement à Ainz que j'ai eu 2 fois avec 0,005. Ainsi que tous les autres héros, évidemment, à l'aventure. Bon, alors c'est du. Ouais, ok. Okay. J'ai l'un des trois, c'est sûr. 33,333. J'ai l'un des trois. Bon, alors, en premier, je veux Anya. En deuxième, je veux Chloé. Et en troisième, je veux Lunar. S'il me donne Lunar, je suis dégoûté. C'est que vraiment, c'est pas mon jeu. S'il me donne Chloé, allez, je vais m'en contenter, mais je vais faire la gueule. Parce que c'est pas ce que je veux. Si j'ai Anya, je serai content, mais au bout de beaucoup d'efforts. Ça, c'est l'animation que tout le monde adore. Mais évidemment, c'est pas là qu'il fallait nous la mettre. Là, c'est du garanti qu'on va l'avoir. Un perso de la bannière. Ah, c'est Anya. Bon, bah voilà. Je suis content, mais au bout de beaucoup d'efforts. Voilà. Bah, j'ai eu une chance sur 3 que ce soit elle. Bon, bah là, j'ai eu de la chance. On peut appeler ça de la chance. Drone again, je suppose que c'est pas possible. Non, on a qu'un ticket, bien entendu.
Bon, bah écoutez, hein, je suis content d'avoir Anya et je vais claquer vite fait mes tickets restants. 52 quand même. 5 tirages sur la bannière régulière. Bon, ok. L'animation est basique, je skip. Allez hop. Hein, ouais, attendez, je vais pas faire 5 animations comme ça. On a encore pour un quart d'heure sinon. Ça par contre, je laisse. Vous vous doutez bien que je laisse. Il y a de l'UR dans l'air. Hein. Et un bon, s'il vous plaît. Bon, le problème, c'est que qui dit UR dit aussi c'est une carte possible. Et vous me connaissez. Ah bah, j'ai menti. J'ai menti, je vous fais dire n'importe quoi. Ah, je n'avais pas cet assist. Je n'avais pas cet assist. C'est un, si je dis pas de bêtises, c'est un bon assist protection. Ouais, rouge en plus, cool. Et je ne passe pas. Bah dis donc, j'ai plus de chance sur les bannières régulières que sur les bannières d'event. J'avais dit que j'étais un poissard. Ah, direct. Ah, ils encore. Waouh, il y a des 3 étoiles, donc là, elle va passer 4 étoiles. Et je crois que c'était vraiment l'event de Heinz. Hein. Ça va être redoutable après ça. Hein. Bon, allez, c'est bientôt fini, plus que 2. Animation pourrie, je skip. Allez, je me prends même pas la tête. Comme vous voyez, j'ai eu que de la merde. Et la dernière. Animation pourrie, je déteste. Je suis dégoûté quand je vois ça à chaque fois. Ok. Oh, une scène card, mon abonnement, normal. Mon quota. J'espère que vous aussi, vous avez un abonnement sur la scène card, parce que je l'estime vraiment poissard là-dessus. Bon, bah écoutez, hein, j'ai eu Anya, je suis content quand même. Hein. Même si j'ai claqué énormément de cristaux. 20 000 quand même. 20 000 pour Anya. Bon, bah j'ai plus qu'à monter tout ça. Hein. J'espère qu'elle va vouloir le coup pour l'event qui est en cours. Et bon bah écoutez, hein, je lui souhaite autant de chance que moi parce que quand même je vais pas me plaindre au niveau des UR. Hein, je suis content d'avoir autant de Heinz quand même, au moins ça me l'aurait bien fait monter. Ouais, content. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.